de Kim Basinger. Kimila Ann Basinger est une actrice, chanteuse et ancienne mannequin. Après une brillante carrière de mannequin à New York, Basinger s'installe à Los Angeles où elle commence sa carrière d'actrice à la télévision en 1976. Elle joue dans plusieurs téléfilms, dont le Eternity en 1979, avant de faire son premier long métrage pour le cinéma dans le drame Hard Country en 1981. Basinger est née à Athènes, en Géorgie, le 8 décembre 1953. Elle est un mannequin, actrice et nageuse qui est apparue dans plusieurs films d'Esther Williams. Son père, Donald Wade Basinger, était un musicien de big band et un gestionnaire de prêts. En tant que il a débarqué en Normandie lors du jour J. Basinger a étudié le ballet dès l'âge de 3 ans environ, jusqu'au milieu de l'adolescence. Elle a pris confiance en elle et a auditionné avec succès pour faire partie de l'équipe de pom-pom girls de son école. À 17 ans, elle s'est inscrite à un concours de bourse d'études junior et a gagné au niveau de la ville et a été couronnée Miss Junior d'Athènes. Bien qu'elle n'ait pas gagné au niveau de l'État, sa beauté a été présentée dans le programme national. En 81, Basinger a posé pour une célèbre séance de et a fait ses débuts dans le drame rural Hard Country, bien accueilli par la critique, mais peu vu, qu'elle a poursuivi avec l'aventure en plein air réalisée par Charlton Heston, Muzzle Love. Ses photos pour Playboy en 81 ne seront publiées qu'en 83, lorsque Basinger les a utilisées pour promouvoir son rôle décisif en tant que Bond Girl, Domino, Never Say Never Again, où elle jouait aux côtés de Sean Connery dans le rôle de James Bond. Dans sa critique de film, Gary Arnold du Washington Post a déclaré que Basinger ressemble à une sœur Volleyball et avait un certain quelque chose. Dans le monde entier, Never Say Never Again a remporté 160 millions de dollars. Basinger a déclaré que son apparition ultérieure sur Playboy lui avait ouvert d'autres opportunités. Une star de l'équipe de baseball dans The Natural de Barry Levinson en 84, aux côtés de Robert Redford, pour lequel elle a remporté une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a joué le rôle d'une employée de galerie d'art de New York qui a une brève liaison, mais intense, avec un mystérieux courtier de Wall Street, face à un romantico-érotique controversé d'Adrian Lyne, 9 semaines et demie. Bien que le film ait échoué au box-office nord-américain, il a très bien fonctionné en Europe et en particulier en France, base de fans aux États-Unis, lorsqu'il est sorti en vidéo ou a été diffusé sur le câble. Roger Ebert a fait l'éloge du film, le comparant à Dernier Tango à Paris, et déclarant que Basinger avait aidé à l'érotique convaincante, compliquée et sensuelle. Le scénariste et le réalisateur oscarisé Robert Benton l'ont également choisi pour le rôle titre d'une femme enceinte en difficulté dans Nadine. Alors que la plupart des films pour lesquels Basinger a joué au cours de cette période ont été sortis avec plus ou moins de succès, ils ont contribué à l'établir en tant qu'actrice. Avec plus de 400 millions de dollars au box-office, le film Jour est le film Batman de Tim Burton en 89, dans lequel Basinger a endossé le rôle de la photojournaliste Vicky Vale face à Michael Keaton dans le rôle de Batman et Jack Nicholson dans celui du Joker. Batman, elle a joué une chanteuse glamour aux côtés d'Alec Baldwin dans la comédie The Marrying Man en 91 et a joué avec Richard Gere en tant que femme amoureuse du psychiatre de sa sœur dans le polar Final and All. Les deux films ont eu un succès limité au box-office. En 92, elle a également été chanteuse invitée sur une version réenregistrée de Shake Your Head de Was Not Was, qui mettait en vedette et a atteint le top 5 britannique. Puis, elle a joué dans son seul projet de doublage à ce jour, le film Cool World, réalisé par Ralph Bombe de dessin animé, qui aspire à devenir une vraie femme humaine. En 93, Basinger incarne une femme récemment sortie de prison dans le film policier The Real McCoy et Horny dans la comédie Wayne's World 2. En 1994, elle retrouve Baldwin professionnellement pour le thriller The Escapade, dans lequel elle incarne la femme d'un ancien escroc, et avec le réalisateur comédie Prêt-à-porter, dans le rôle d'une reporter du câble à bout de souffle. Elle a fait un retour en tant que prostituée de grande classe dans le polar de Curtis Hanson, L.A. Confidential, entre Guy Pearce et Russell Crowe. Elle a d'abord refusé le film à deux reprises, ressentant une insécurité à l'idée de retourner à l'écran et souhaitant mieux profiter de sa maternité. Le Washington Post a estimé une sorte de sensualité chaste, dans ce que Roger Ebert a décrit comme l'un des meilleurs films de l'année. Le rôle lui a valu un Oscar de la meilleure actrice de second rôle, ainsi que l'Actor Guild Award. Elle est la seule actrice à avoir à la fois posé nue dans Playboy et remporté un Oscar. Dans une interview avec Charlie Rose en 2000, Basinger a déclaré que L.A. Confidential est son film suivant, I Dream, plus agréable de sa carrière.
Basinger a ensuite joué une mère ayant des relations extra-conjugales dans le premier long-métrage du réalisateur Guillermo Arriaga, The Burning Plain, en 2008, dans un format de lien hypertexte, face à Charlize Theron et Jennifer Lawrence. Alors que le film a trouvé une sortie dans les salles, The Telegraph, dans sa critique, a écrit « Arriaga rassemble les brins de son récit avec une grande expertise et son travail est facilité par les excellentes performances de trois actrices. » Theron et Basinger gagnant pour la saison des récompenses de l'année prochaine, et Jennifer Lawrence comme adolescente, fille adolescente de Basinger. Basinger est retourné en Afrique dans son prochain film, le drame nigérian Black November en 2012, du delta du Niger, pour sauver son environnement, détruit par les forages pétroliers excessifs, dans le